Le 6 décembre 1921, lors de la toute première élection fédérale canadienne permettant aux femmes de se présenter comme candidates, Agnes MacPhail remporte sa circonscription ontarienne de Grey Southeast et devient la première femme députée. N'ayant jamais eu peur de parler franchement pendant les 19 années où elle assiège aux communes, elle défend les droits des femmes, des immigrants, des prisonniers et d'autres opprimés. Ses nombreux détracteurs suggèrent que son soutien passionné à ces groupes marginalisés est influencé par le communisme et son empathie féminine. Rien n'est plus grand de la vérité pour cette combattante visionnaire qui a toujours lutté pour ses convictions.